Il serait ridicule d'emprunter à la Renaissance des techniques, des méthodes, pour réaliser une bande dessinée historique qui y situerait son cadre, sa chronologie. Il serait également tout à fait puéril de fleurir sa planche de connotations décoratives, de signes approximatifs du passé, par une typographie vaguement gutenbergienne ou des images de pacotille d'une Renaissance générique, en croyant, de cette façon, se rapprocher au mieux de son objet. Mais qu'en est-il lorsque ce sont des œuvres de la Renaissance elle-même, et non leur époque, qui sont vos objets? S'il faut, d'une façon ou d'une autre, les faire apparaître, jouer. Cette question, celle de l'image d'un autre, convoquée par l'analyse, la prospective dans votre propre travail, saisie dans votre bande dessinée, Fabrice Nau l'avait abordée assez justement dans son journal. Alors qu'il devait faire figurer, sans trahir la cohésion de ses propres planches à la plume acérée, une toile de Richter dans une case, il évaluait alors tout le vertigineux de ces questions. Quel parti pris choisir? Quelle forme avancer? Quelle technique? Quel mouvement du dessin devait reculer derrière l'objet ou bien avancer au-delà de ses connotations? Lesquelles seraient adéquates pour ne pas briser le cours immersif du récit par un collage arbitraire? Lesquelles seraient insuffisants et perdraient tellement leur objet qu'on n'en verrait plus que la caricature? Le récit que je suis en train de dessiner, Sacromonte, n'a pour objet que des œuvres du XVe siècle finissant et quelques autres plus tardives. S'il serait parfaitement ridicule de traquer la chimie exacte de leur élaboration, de peindre à tempéra les tempéra ou à l'huile les huiles, qu'en est-il des approches de la figure? Plus frontalement, comment un auteur qu'on dirait rapidement expérimental peut-il fonder une relation qui ne soit ni subordonnée, ni instrumentalisante, ni kitsch, ni piégée par le triomphe artisanal à l'Académie? La question de l'expérimentation est étroitement associée à celle de la réappropriation des moyens de production et à ce que j'appellerais le désusage des outils. Il s'agit en grande partie de passer outre les usages techniques, éthiques, historiques, qui accompagnent un mode, qui en sont d'une certaine manière les signes, mais aussi les limites, ceci précisément pour réduire, voire détruire ces limites. On aurait tort, expérimentalement,
de se placer sur une ligne frontalement opposée à l'académie, comme un simple jeu de face-à-face agonistique destiné à abattre l'opposant, le contre-modèle. S'il s'agit d'ouvrir l'expérimentation en tant qu'expérimentation au devenir de toute forme, alors l'académie n'est pas le pôle opposé à la recherche, mais un de ses objets parmi tant d'autres. La docilité passe aussi par l'aplatissement de toutes les notions au même statut d'objet, indifféremment à leur propre hiérarchie, comme aux hiérarchies qui leur sont extérieures. Ce sont ces hiérarchies, principalement, qu'une pratique artistique expérimentale abat. S'il paraît à peu près évident que dessiner le tableau d'un autre dans une bande dessinée est une reproduction de reproduction, il est moins facile de se présenter le mouvement mental et surtout corporel par lequel introduire une académie dans un travail, c'est encore une reproduction de reproduction, mais dont l'académie, comme relation au monde des formes, est l'objet et non plus le trajet, quoiqu'en apparence ils se superposent exactement. Ce que j'emprunte à l'académie dans ce travail, c'est sa temporalité. La série des couches croisées, frottées, patientes, des crayons de couleur, dévide le temps de l'apprentissage dans le temps réel de la création, saisi par une technique dont j'ignore tout. Et pas à pas, le crayon de couleur, agissant comme la gomme de Rauschenberg sur le tableau de De Kooning, efface mon propre dessin.